Ouais, salut à qui filme la télé, toujours lundi 7 février 2022. Et là, c'est quand même super intéressant. C'est y a un mec qui va balancer en direct là, quand même, en direct. Et donc, il nous apprend que peut-être qu'on vivrait dans une république bananière. Peut-être que notre république, elle est corrompue, mais c'est vrai. Dans ces milieux-là, moi, j'ai eu le C'est créé dans sentiment. les kits de Oui, ministère de effectivement, on l'Intérieur. est là où il est. J'ai toujours pensé que ça existait depuis des années, mais peut-être me trompais-je. Les primes en liquide, tout le monde en a, on savait très bien qu'il y en avait. Ça Et dépend puis ce que. que les ministres Non, et mais son évidemment, entourage prenaient leur part. non, Oui ou non? toute la partie du Oui ou non? fonctionnement était un budget particulier qui était occulte. Et donc, quand les fonctionnaires étaient payés, on leur disait c'est sans impôt. C'est une manière chez moi. J'ai connu. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que les primes en question étaient une cassette, si j'ose m'exprimer ainsi, pour payer les informateurs. Les C'est indics. ça, Les indics. les indics. C'est ça, qui a posé François Pipponi. Les fameux projets connus, les fameux fonds secrets. Secrets. Tous les mois, les directeurs, les chefs de cabinet des La ministres Banque de France. partaient à Matignon. À Matignon, ils revenaient avec des billets neufs Bien sûr, bien sûr. et ils distribuaient. Et la règle non écrite, c'était le ministre prenait la moitié et distribuait la moitié au cabinet. Et il y avait des enveloppes qui étaient distribuées tous les mois dans les cabinets ministériels. La loi sur la transparence a fait depuis. Je ne suis ça. pas sûr. Si je... on... enfin, ah, les sur le liquide. fameux fonds secrets de l'Élysée, de Matignon, c'était des fonds secrets. Du coup, je reprends. Sont payés des indicateurs, enfin voilà, il y avait des. Non, pour le fonctionnement aussi. Et puis pour le fonctionnement c'est prévu, parce que il y avait par exemple beaucoup de gens qui étaient détachés, qui sont, et c'est un continuum, c'est toujours la même chose, qui ne viennent pas de la fonction publique et tout. Donc pour compenser ou pour les attirer, il fallait les payer un peu plus. Donc les primes de cabinet étaient payées en liquide. C'est okay. comme un dernier mot là-dessus. Oui, c'est comme l'affaire des sondages qui ont valu une. Bon, donc ça c'était avant, hein, pas d'amalgame. Ça, c'était le fonctionnement d'avant. Alors, avant quoi? On ne sait pas. Avant une certaine loi. Bon, allez, shalom sur vous. Attention. Salut, salam.